Le FCF Mazembe s'est qualifié en finale de la 14e édition de la Coupe du Congo féminine en battant le FCF Lupopo par un score étriqué d'un but à zéro. Le vendredi 23 juin au stade tout-puissant Englebert Mazembe de la Kamalondo. Dans un derby louchois amplement disputé entre Chemino et Corbo, les filles de l'entraîneur marocain Lamy Aboumedi ont profité de leur occasion acquise à la 23e minute de jeu pour signer l'unique but de la partie par l'entremise de Justine Bossou. 1-0, score à la pause. Au retour, coach Twite Mugalu est venu bloquer les dégâts malgré plusieurs tentatives de l'ivoirienne Kreto, Narve Kanjinga, Esther Dikisha. Le score restera intact jusqu'au coup de sifflet final. Mazembe se hisse en finale en présence de son président Jeff Kapondo. Dans l'autre demi-finale, le Daring Club Weremana de Masisi a réussi à écarter de Sempe Bikira au tir au but après un île vierge de 0 but partout. Dans un match aux allures d'une finale, les Kivusiennes ont mis en difficulté de Sempe Bikira dominateur dans les jeux. La finition a coûté cher au vert et blanc de Lubumbashi. 0-0 au temps réglementaire. C'est à la séance fatidique de tir au but que Daring Club Weremana a remporté 6 tirs contre 4. Ainsi, Daring Club Weremana défiera l'équipe championne en titre FCF Mazembe le dimanche 25 juin à 15h juste au stade tout-puissant Englebert Mazembe. DCMP Bikira croisera les FCF Lupopo dans la petite finale le même dimanche 2h avant la grande finale.